Les faits sont comme une rose en plastique ou en papier. Ils n'ont pas de parfum. Et le parfum des faits est l'esprit du temps. L'affaire de l'esclave aussi est tirée d'un essai de Mohamed Aissaoui. C'est l'histoire d'un esclave qui a intenté un procès contre son maître. Et le procès a duré 27 ans. Ce qui est tout simplement inimaginable quand on sait qu'un esclave n'avait pas le droit d'assigner directement son maître en justice. Constance rêvait de pouvoir racheter sa mère et son petit frère. Fourcy était prêt à sacrifier sa vie, mais pas celle de ses proches. J'ai voulu que ce soit un spectacle documentaire. Il décida alors de se rendre à Paris. Le président du tribunal accéda aux exigences de Desbassins. L'affrontement. Nous ne sommes pas responsables de l'histoire, mais nous sommes héritiers des histoires de nos peuples. On parlait de Fourcy partout et que son combat donnait espoir aux autres esclaves de recouvrer un jour leur liberté. Je me rends compte aussi qu'il y a une génération qui n'a pas appris l'esclavage à l'école. Et moi, le but, c'est de donner quelques images de réflexion, de questionner l'histoire aussi. Il tenait serré dans sa main la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.